inspecteur. Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Pete, je suis content que tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Mais a dit que t'étais là-bas au moment de l'attentat. Son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour... Merci, c'est gentil. Je me sens plus en sécurité maintenant. J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça? Des lignes de tension? Pourquoi autant d'électricité? Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Le journal de Lee? Une clé? Je me demande ce qu'elle ouvre. Une sorte de serrure à énigme? Ça m'a l'air bon. Ah, yes! Wow. Qu'est-ce que vous cachez, Ellie? Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'ai... C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchère. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. C'est une chambre de combustion, pour détruire les preuves. Encore une. Police avait trouvé ça. Ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Bon, comment je sors de là? Bonjour, Peter. Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Martin, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance.
à un meeting d'Osborne. Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand? Dès que j'aurai terminé. Non, non, non! Ah!